Step into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. $1 million man, with his gold and his flair. We've been through it all, we've gone everywhere. Wrestle Rock! Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce Wrestle Rock Podcast, saison 6. Je suis Nostradaben et j'animerai cette émission en compagnie de Johnny Lee! Hey, comment ça va, mon Ben? Ça va, mais tu vas me casser à moi. Ça va super bien. J'espère que vous vous portez bien à la maison. Vous écoutez la saison 6 du Wrestle Rock Podcast. Et comme à l'habitude, on a un invité spécial avec nous. Et puis, c'est le fun parce que c'est un collaborateur, un ami de longue date. J'ai nommé Jean-François Leduc. Comment ça va, Jeff? Hey, comment ça va, vous autres? Yes, ça va super bien en direct. Hey, saison 6. Firehouse. Ça aura pris 6 saisons pour avoir Firestorm. Jeff Leduc sur Wrestle Rock. Hey, oh. Oui. Hey. Vaut mieux tard que jamais. Yes. Puis, tu sais, je me répète, mais tu sais, ça a commencé pendant la pandémie. Où est-ce que, tu sais, on s'ennuyait de tout ça, tu sais. Puis finalement, de fil en aiguille, on est rendu à plus de 100 entrevues. Puis là, ben, crime, c'est le fun parce que notre belle collaboration. T'as un événement qui s'en vient. Ouais. Je veux qu'on commence par ça. Je veux que tu en parles un peu à tout le monde. Ouais, la parole est à toi, mon ami. J'ai même mis mon chandail en plus. Pour, yes! C'est super cool. C'est super cool que tu aies pu prendre un peu de temps. Comme vous savez, les amis, Jean-François et son partner, Jumi Cozy, organisent fréquemment des virtual signing. Puis cette fois-ci. En fait, nous aussi, ça a commencé avec la pandémie, un peu comme vous. Puis on, okay. Oui, moi, le Firehouse, je suis rendu à peu près 120 auctions qu'on a faites sur notre page LWA, Live Wrestling Auctions. Puis avec ça, on a fait des claim sales, des genres de ventes de garage en direct sur la page où est-ce qu'on peut. On peut réclamer des items au prix qui est demandé. Puis là, bon, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On a commencé à faire des séances d'autographes virtuelles avec des vedettes. Donc, on a fait venir Dink, on a fait venir Ray Apollo, qui est Doink, on a eu PCO, on a eu La Résistance, on a eu les Nasty Boys. Puis là, ben, c'est le temps d'en faire une nouvelle. Puis c'est Adam Bomb qui fera Yes. Fera l'affiche dans le fond du nouveau signing là, qui s'en vient. Les tickets sont en vente sur Eventbrite. Puis très content d'être partner avec vous autres pour plaisir. Ça va être un événement grandiose. Puis pour les gens, en fait, c'est le 18 octobre. Puis il y a deux parties. Le lendemain, c'est aussi un virtual signing. Fait que tu sais, pour les gens de l'extérieur qui peuvent malheureusement. On repousse les limites avec ça. Exact. Avec les nouvelles technologies. Ils peuvent avoir leur signature en direct, puis voir Brian Clark signer leurs choses parce qu'ils peuvent poster leurs items par la poste, mais les envoyer. Avant le signing, ou tout simplement commander sur la page les superbes photos qu'on a de disponibles. Yes. Puis Brian Clark peut les dédicacer là, à la personne qui va les acheter, tout ça. Donc, c'est trois personnages historiques qui sont Rat, Chronic avec Crush, Brian Adams, et bien sûr Adam Bomb. Donc, tout ça est disponible sur la page, puis ça va être le samedi le 19. Mais en plus de ça, on repousse les limites. On veut que les gens aient une belle expérience avec Brian Clark. Puis, bon, on s'inspire un peu des Comic-Con et tout ça. Mais, vous savez, les Comic-Con, bon, on se met en ligne, tout ça. On veut rencontrer notre vedette préférée. Puis là, on paye 100$ pour une photo puis un autographe. Puis ça dure 1 minute 45. Puis c'est merci, au revoir. Puis bien souvent, ouais. la vedette, elle ne nous regarde même pas. Puis elle ne répond pas à nos questions. Mais
Bon, moi, pour 70$, le VIP du vendredi soir, on passe la soirée avec Brian Clark. Donc, on oublie le 1 minute 45. Là. Il va être avec nous autres pour au moins 2 heures de temps à raconter des histoires, à répondre aux questions. Puis ça va être vous autres qui allez animer. Yes! Oui. Yes, on est prêts. On est vraiment fébrile de ça. Honnêtement, ça va être notre... On a eu déjà une petite expérience avec le New Jersey, bien évidemment. Puis on a eu aussi, Lou Ferrigno au Montréal. Mais là, qu'on puisse passer une heure complète en live avec des amateurs de lutte, ça va être encore plus cool. Ah oui, absolument. Fait que notre but, c'est qu'il y ait beaucoup de monde. Là, parce que plus on est fou, plus on rit. Mais tu sais, on veut que Brian Clark passe un bon moment à Montréal avec les fans aussi. Ils vont en voir beaucoup sur le virtuel du lendemain. Il y a beaucoup de pre-orders déjà. Mais on veut qu'en personne, il y ait beaucoup de monde. Puis chaque personne qui achète son ticket de VIP à 70$ va se voir remettre en rentrant là, dans la salle, un superbe sac Live Wrestling Auctions avec la pin de Adam Bomb. Puis qu'est-ce qu'on a dans ce joli sac? Ben, on va avoir la fameuse passe VIP, la même que j'ai autour du cou présentement. Yes. Donc, les personnes vont pouvoir avoir un beau souvenir de l'événement comme ceci. Et inclus dans le prix, le poster de l'événement avec Adam Bomb, avec la date, la ville, tout ça. Puis il y a un petit espace ici pour que Adam Bomb puisse signer. Donc, ça, c'est exclusif à l'événement. Ce n'est pas vendu sur le virtuel le lendemain. C'est vraiment juste pour les personnes qui vont être là en personne. Le sac, la passe, le poster. Puis, des fois, il peut y avoir une surprise dans le sac. Il va y avoir quelques trucs. On peut regarder. Puis ici, on a la carte du Forum de Montréal de 1994 avec une finale Pierre-Carl Ouellette contre Jacques Rougeau. Si on regarde un petit peu plus bas, oh, Adam Bomb versus Quang. Donc, une belle surprise dans le sac la personne va pouvoir faire signer en plus de toutes ces trucs. Yes, hey, Jeff. Il peut-tu avoir un Roddy Piper qui manque un mot? On va le mettre dans le sac. C'est une belle chose. Why not? Mais bref, tu sais, on se répète, mais tu sais, si vous voulez avoir des figurines, des objets rares de collection, comme vous pouvez le voir en arrière, c'est rempli de plein d'affaires. J'ai peut-être le bras qui manque de Piper. peut-être le bras. Il doit être à quelque part. Il doit être à terre. Il y a tellement de cochonneries ici. J'ai des trucs aussi. Écoute, c'est le fun. Hey, déjà 10 minutes, on voulait faire aussi une rétrospective. Holy shit, OK, ça c'est cool. On va avoir des figurines de Adam Bomb, bien sûr, de disponibles. Yes. Il y a ces fameuses lunettes nucléaires, des gants, les gants qu'il portait. On les voit un petit peu sur mon chandail. Oui. C'est pas des gants de vaisselle. Non, des gants de soudeur, des gros gants nucléaires. Les bottes à l'effigie d'Adam Bomb qui va pouvoir autographier. Tout ça, c'est disponible. Envoyez-moi un message si vous voulez savoir les prix ou avoir un deal avec une photo ou whatever. On est très ouvert. Écrivez-nous. On est très ouvert si vous payez le cognac, gnac, gnac. Jean-François Leduc, ça fait, mon Dieu, back in the day, ça fait au moins 25 ans. 2000, je pense. Oui. Le 15 avril 2000, on a rencontré Jean-François qui luttait sous le nom de Firestorm à l'époque. Et puis, on voudrait parler aussi de la personne qui est Jean-François Leduc. Vas-y, mon ami, avec les premières questions, mon homme. Jean-François, quand tu étais un petit gars, là, c'était qui ton lutteur préféré? Hey, mon Dieu! Moi, j'ai toujours eu un grand respect pour tout le monde, mais j'avais comme une curiosité pour les... Jake the Snake, OK? Il arrivait avec son... très bon choix. C'était un peu spécial. C'était un genre de gimmick. T'sais, c'était pas comme juste un lutteur comme, mettons, Bob Backlund qui est là dans le ring avec sa serviette. Puis Jake the Snake, il avait une gimmick qui était spéciale. Un Jimmy Snuka aussi, super spécial. Ricky Steamboat. C'est comme ça amenait une particularité spéciale à la lutte parce que c'était pas juste le lutteur, c'était un personnage.
C'était des larger than life correctors. Ouais. Tu sais, c'était hot. Et moi, je n'ai pas commencé avec la lutte comme telle. J'ai commencé à aimer les bandes dessinées du samedi matin, là. Rock and Wrestling avec Hogan. OK, ouais, ouais, ouais. Puis à un moment donné, mon père m'a emmené chez Zellers m'acheter un cadeau. Puis j'ai choisi une figurine de lutte LGN à l'époque. Hillbilly Jim, qui était ma première figurine à vie. Puis okay. je regarde en arrière de la carte, puis là, tous les lutteurs sont là, qui sont dans l'émission, mais il y en a que je ne reconnais pas, un Brutus Beefcake, un Greg Valentine. Puis là, je dis à mon père, mais c'est qui eux autres, ils ne sont pas dans l'émission, comment ça qu'ils ont des figurines? Puis mon père m'apprend que c'est des vraies personnes, c'est des lutteurs, puis qu'ils allaient m'emmener au forum pour les voir. Fait que nice. Premier show au forum, Hogan contre Morocco, Randy Savage était là, Jake the Snake, George Steele. Super wow. Soirée. Après ça, les Saturday Night Main Event. Puis là, ça a continué. Puis j'ai toujours aimé ça. Puis ce qui m'a amené à faire de la lutte après ça, parce que moi, oui, c'est ça. Parce que tu as été entraîné par l'UJ Prou, fondateur de la ICW. Oui, Serge, Grant Gray aussi, qui était beaucoup impliqué à la ICW à l'époque. J'ai fait mes débuts dans le ring avant ça, à la RWR avec les frères Field. Okay. J'ai eu un cours et quart, puis la fédération fermait, il n'y avait plus de cours, tout ça. Fait que après ça, j'étais allé à la ICW avec l'UJ Serge. On peut dire que j'ai vraiment commencé là. Puis un petit peu plus tard, avec Jacques Rougeau. J'ai poursuivi avec Jacques Rougeau par la suite. Ouais. Oh, intéressant. Oui, tu as été champion de... 97, ça, là. 97, ça fait un bout. On monte à loin, effectivement. Oui, ouais, tu as été champion de la FCL de Shawinigan, bien entendu. Est-ce que tu peux nous parler de cette merveilleuse expérience? Je ne sais pas si j'ai été champion de la FCL. J'ai-tu été champion? Oui. Champion de la FLQ, ça, c'est sûr. Écoute, j'ai... Ah, c'est peut-être FLQ plutôt que tu voulais marquer. Ah, c'est peut-être ça, c'est moi qui s'est trompé. J'ai été muté à la FCL longtemps pour... Oui, c'est moi qui s'est trompé. Je m'excuse. Aller là-bas, écoute, on partait de Montréal, un char rempli de lutteurs, puis on allait à Shawinigan, c'était bien fun. Québec, Drummondville, j'étais allé partout à l'époque, puis c'était vendredi, samedi, dimanche, des fois dans les campings. Il y en avait tellement craché du feu souvent que j'ai eu une petite condition au foie aujourd'hui. Mais d'ailleurs, à propos du crachage de feu, d'où t'es venue l'idée de Firestorm? Ben écoute, avant de faire de la lutte, moi j'étais musicien, puis je le suis encore. Je suis chanteur, je joue de la bass, je joue de la guitare, un peu de drum, tout ça. Puis j'étais roadie à l'époque, donc je ne sais pas si vous connaissez Matt Laurent. Ouais. Qui est le guitariste de Sylvain Cossette. Il y avait un groupe à l'époque, Tribute de Kiss. Donc lui, c'était le relay du band. Son ami d'enfance, Bruce Gosch, était le bassiste, le Gene Simmons. Puis moi, j'étais Rudy. Okay. Fait que là, il fallait que j'aille acheter les produits pour que Bruce puisse cracher du feu. Parce que quand il y a la chanson Firehouse, le Gene Simmons crache du feu. Fait que c'est un peu là que j'ai appris comment faire, quoi utiliser. Ouais. Puis, comme j'ai toujours aimé les personnages, les super-héros, tout ça, ben je voulais avoir un personnage qui sort un peu de l'ordinaire. Definitely. Un peu comme j'ai dit, les Ricky Steamboat, les Jake the Snake, tout ça. Puis, pas nécessairement parce que Ricky Steamboat a craché du feu à une époque, mais moi, c'était plus à cause de Gene Simmons. Puis, une grosse admiration pour le groupe Kiss et la musique. Puis, bon, ça fait tellement du sens, ce que tu me dis. Avant. Puis, j'étais un peu tanné parce que c'était beaucoup de routes. Écoute, j'ai été roadie pour les colocs. Tu partais une couple de semaines là, en tournée, tu revenais, tu étais brûlé. Là, tu n'avais pas vraiment un job après. Fait que d'un band à l'autre ou d'un studio d'enregistrement à l'autre, puis mes projets personnels aussi. Comme j'ai dit, j'étais chanteur, bassiste, mais là, à un moment donné, tu veux fonder une famille, ça prend un job un peu plus sérieux, tout ça. Tout à fait. Ouais, j'ai 20-22 ans à l'époque. Là. Fait que j'ai comme lâché la musique. Puis j'étais un peu tanné parce que dans mon band perso, il fallait que aussi je m'occupe de tout ce qui est la technique. Puis là, ben, c'était comme OK, faites votre part, on va faire la mienne. Puis je voulais faire quelque chose pour moi et moi seul. Puis c'est là que j'ai commencé à faire de la lutte. Je me suis dit, je vais traîner ma petite valise. On va faire ma petite affaire, puis ça va être that's it, that's all. Pas besoin de m'occuper du guitariste, du drummer.
d'aller réveiller le chanteur chez eux ou whatever. Non, non, non. Justement, tu parles de musique. C'est quoi les tatouages que tu as en lien avec la musique? Ben, c'est tout de la musique. Twisted Sister, je pense. Twisted Sister. J'ai peut-être Motley Crue ici, Motley Crue là. Pretty Maids ici, que les gens connaissent moins. Un peu moins. De la Norvège. Nice. Pretty Maids, très bon. Puis de l'autre côté, ben, on a plus des citrouilles là, avec les Halloween, Gamma Ray, Avantasia. Puis un petit mix là, de Michael Jackson ici avec. Si vous avez vu le film de Wiz, là, il y a les corbeaux qui chantent dans le film avec, avec Michael Jackson, tout ça. Fait que, il y a une coupe d'or de tatouage là-dessus. Ouais, c'est comme une évolution personnelle au travers des tatouages. Puis, c'est hot. Il y a du feu à travers de tout ça. J'ai un gros dragon dans le dos, donc ça me représente, je te dirais. Oui, oui, oui. Tout à fait. Je vais me faire faire Monsieur Fuji sur une cuisse. Sérieux? Ça serait hot, En parlant de ton amour inconditionnel pour la lutte, on sait que tu étais présent lors du Montreal Screwjob et tu as eu une anecdote à ce sujet. Veux-tu la partager avec nos auditeurs? Écoute, j'avais un ticket deuxième rangée, puis tu sais comment que ça bouge un peu quand il y a de l'action, tout ça, tu peux te ramasser à la barricade, puis c'est là que j'étais. J'avais Vince McMahon, Sergeant Slaughter juste en avant de moi. C'est là que Brett a commencé à tout briser, puis à faire des signes dans le ring. Puis moi, j'étais juste là, puis à un moment donné, il a craché sur Vince. Puis genre, moi, j'en ai eu sur l'épaule. T'as fait éliminer le gilet? J'ai ramassé une poignée de cheveux de Mankind aussi ce soir. Ah ouais? Dans un ziploc. À quelque part? Si, ça rentre. Ouais, un de mes amis avait pogné une gomme de Mr. Perfect. Puis là, je l'ai ramassé en disant, j'ai les cheveux à Mankind. Vas-y, mon homme. Ouais, c'est depuis quand que tu connais Joe Mikosi, ton partenaire de LWA? Écoute, Joe, ça remonte au temps de la FLQ. À la FLQ, il y avait des cours qui étaient donnés par Carl Leduc, Fédération de Paul. Puis Carl, souvent, il n'était peut-être pas disponible pour donner le cours ou il y avait d'autres choses à faire. Bref, il menait 3-4 combats en même temps, Carl. Puis là, les élèves étaient dans le ring, souvent laissés à eux-mêmes. Puis moi, j'arrivais de bonne heure pour mettre mon maquillage, me préparer, tout ça. Fait que c'est moi qui donnais un petit peu les cours. Puis dans ce temps-là, il y avait Speedball Mike Bailey qui faisait partie de ce crew-là. Il y avait Sean Simmons qui est devenu Rick Silva, je pense. Alex Silva. Il est allé à la TNA aussi, écoute. Oui. Donner des cours à plusieurs, puis Joe faisait partie de ce crew-là. Fait que j'ai donné des cours à Joe à l'époque. Joe, il était un petit peu manager, un petit peu bodyguard. Il a fait des batteurs royales, peut-être des 3 contre 3. Puis on s'est perdu de vue par la suite. Puis à un moment donné, j'ai mis des trucs en vente sur Kijiji. Puis il est venu cogner à ma porte. Puis il fait « Hey, you're Firestorm ». Fait « Ouais ». T'es qui, toi? Puis là, bon, je l'ai reconnu, puis on s'est mis à jaser, tout ça. Il est venu voir ma collection. Ah, c'est cool. Il habite littéralement à 5-10 minutes de chez nous. Fait que, c'est cool. On s'est jamais lâché depuis ce temps-là. On est allé faire des conventions. Puis, l'idée de faire des lives nous est venue pendant la pandémie, puis c'est lui qui a fait le premier live. J'ai dit, moi, je sais pas comment ça marche, là. Je sais pas où tu pèses, puis je veux pas avoir l'air fou. Puis j'ai dit, fais le don, toi. Comme ça, si tu te trompes, ben c'est toi qui vas faire l'air fou. Il l'a fait, il a fait un genre de sondage, puis il y avait des gens qui se loguaient, puis ça marche pour vrai. Bon, ben écoutez, la semaine prochaine, on va faire un encan, puis suivez-nous, puis c'est comme ça que ça a débuté. Puis ça n'a jamais lâché. Là. C'est hot, en maudit. Tu nous as parlé juste avant, bien évidemment, que tu as été champion de la FLQ. Tu nous as parlé aussi de la FLQ, de ton implication, tout ça. Écoute, ça a été facile. J'ai lutté pendant 15 ans de temps, puis j'ai eu 15 titres, dont peut-être 6-7 à la FLQ.
Tu as reçu récemment des mains propres la ceinture de la FLQ de la part de M. Paul Leduc lors de votre événement de la AWA. Quelle a été ta première réaction quand tu... Écoute, j'étais très ému parce que, je dirais, juste avant le COVID, il y a eu un show de la FLQ. Je ne sais pas si c'était avant ou après, j'ai un peu de misère avec le timing. Mais bref, on m'a demandé de venir à la FLQ pour remettre la vieille ceinture à Paul. Donc, okay. La FLQ, Ben Mathieu sur la rue Ontario, gros show. René Dupré est là, Stu Grayson, le nouveau champion. Il y a beaucoup de monde. Puis là, ma vieille chanson part. J'arrive avec la ceinture. Pat Laprade est dans le ring, il explique qu'est-ce qui se passe. Puis là, je vais remettre la ceinture à Paul Leduc, un peu comme on veut retirer un chandail, exemple, d'un joueur. Okay. Et on monte au plafond. Mais là, on retirait la vieille ceinture du circuit, puis on la remettait à Paul pour le remercier de toutes ses belles années avec la FLQ et tout. Puis une nouvelle ceinture arrivait pour le champion qui était... Puis là, bon, on fait notre séance d'autographe, tout ça, avec Paul, avec Carl, ils sont super généreux. Puis Carl, il y a une surprise. Puis là, ils sortent la ceinture, puis ils me la redonnent à moi. Parce que vu que j'ai été champion souvent, j'ai beaucoup aidé la fédération, j'ai contribué de multiples façons au succès de la FLQ. Puis Paul a décidé que s'il y en a un, parce que semble-t-il, il y a eu beaucoup de demandes de plein de monde. Hey, la ceinture est où? J'aimerais ça de l'avoir. On peut-tu faire ci, faire ça avec? Puis Paul, il a toujours dit non. Mais là, il a dit s'il y en a un qui doit l'avoir, il dit c'est Firestorm. Puis, c'est cool. Je casse un petit peu mon écran. Là. Juste là, à droite. Sur le mannequin Firestorm qui tient des torches, qui a le serpent de Jake the Snake. Oui. Qui a du stock en masse. Ouais, je suis un peu en rénovation, là, c'est un peu le bordel, là, regardez pas au final. très bel honneur. Écoute, je vais garder cette ceinture-là pour le reste de ma vie, c'est sûr et certain. Ça fait partie de moi, puis tu le mérites amplement. J'étais ému, j'étais sans mots. Super. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. On aimerait savoir si tu es satisfait de ta présence dans l'Abattoir Royal lors du dernier Slammiversary qui avait lieu à l'Auditorium de Verba. Écoute, c'est une longue péripétie, l'Abattoir Royal. Je veux remercier PCO pour ça. Bertrand Hébert aussi pour son implication. Écoute, depuis le mois de mai que j'aidais PCO à vendre des billets, PCO m'appelle, il dit « Hey, toi, sur LWA, tu penses que tu peux vendre des billets? » Je suis comme « Bah ouais, on va sûrement pouvoir en vendre une douzaine, là, tu sais. » Puis, on a fait notre petit bonhomme de chemin avec ça, puis j'ai vendu proche de 300 billets. Fait que c'est quand même incroyable, là. Puis au début, Pierre-Carl, il disait, pour te remercier, tout ça, je veux faire un royal, puis j'aimerais ça que tu participes. Puis je sais que ça fait longtemps que tu n'as pas lutté. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas mis le costume. La fois d'avant, c'était à Simmania pour Marc Blondin. Puis avant Marc Blondin, ça faisait 10 ans que j'avais pratiquement rien fait, là. Parce que j'ai pris ma retraite en 2012, puis après ça, j'ai fait quelques apparitions, craché du feu, donné la ceinture à Paul. J'ai fait de la TV un peu, la théorie du chaos. Oui, je me souviens. Ouais, c'était bon, ça, on me voit le coude un peu. Fait que, mais bref, lutter comme tel, moi, quand je suis à la retraite, j'ai pas été actif dans le ring, mais je me dis qu'une battle royale, ça compte pas. C'est comme... WrestleMania 12 ou 20, là, qui a eu une gimmick Battle Royale. Il y a plein de gens en retraite qui ont sorti. je voyais ça un peu comme ça. Puis CEO, il dit c'est pour permettre à des jeunes de se faire voir, puis pour donner l'opportunité aux vétérans de vivre quelque chose qu'ils n'ont pas pu durant leur carrière. Puis que, tu sais, c'est pour les remercier. Une bonne idée. Fait que moi, Carl Leduc, on était là-dedans, Eric Mastrocola, Stan Francisco. Ouais. J'ai aidé Carl, pas Carl Leduc, mais PCO à booker le Royal. Donc, on a fait venir des gens d'un peu partout. On avait quelqu'un de la Beauce, on avait quelqu'un de Gatineau, quelqu'un de Québec, on avait 2 gars de Toronto. Bref, on a été vraiment partout pour cibler un peu toutes les régions, tout le monde. Puis ça a été vraiment un succès.
C'est sûr, quand tu fais une Battle Royale qui est considérée comme un dark match avant pay-per-view, avant gala, tu n'as pas beaucoup de temps. Puis souvent, tu peux même te faire couper et dire « Écoutez, les gars, on n'a pas le temps. Il faut ouvrir les portes plus tard. On n'est pas prêt. Donc, on va couper votre match. » Donc, ça aurait pu arriver. Merci. Ça n'a pas été le cas. Puis, on a eu bien du fun. C'est sûr. Tu fais déplacer 30 personnes. Puis, finalement, il n'y a pas eu. Le maquillage, puis tout le kit. Ouais. J'étais dans mon petit miroir, puis je mettais mon maquillage. Puis, je sentais que j'avais quelqu'un en arrière de moi qui niaisait, puis qui regardait dans le miroir. Ça, je me revais de bord, puis c'était Matt Hardy qui est... Tu sais, les autres, ils ont été super généreux avec nous. On a partagé le même backstage, les mêmes locker rooms. Fait que, ben le fun C'est cool. Monde, puis, ouais, super expérience. Avant de conclure notre entrevue, nous allons, comme à l'habitude, on nomme des noms. Donc, on va te nommer quelques noms. Et en quelques mots, dis-nous ce que tu penses d'eux. Okay. Donc, le premier, CM Punk. CM Punk, un lutteur d'expérience qui a roulé sa bosse, qui est parti des Indies, puis qui mérite tout ce qui arrive. Est-ce qu'il y a une plus grosse tête, un plus gros ego aujourd'hui? Probablement, mais bon, ça y appartient. Puis, exact. Ce qu'il aurait fait différent, je sais pas. Mais bravo CM Punk. Le deuxième, PCO. PCO, un gars qui s'est réinventé, qui est reparti avec une carrière à zéro, puis qui est rendu presque plus haut qu'il n'a jamais été. Très grande inspiration pour plein de monde. J'ai appris beaucoup à le connaître dans les derniers mois, encore plus qu'avant. On se connaît, ça fait 20-25 ans. Mais là, on se parlait presque à tous les jours. Donc, PCO, merci. Puis bravo. C'est le premier qu'on a interviewé, d'ailleurs. Oui, des entrevues. Oui, tout à fait. Bien sympathique. Yes. Le troisième, Cody Rhodes. Cody Rhodes, wow. Un gentleman. Chaque fois que je l'ai vu, il est habillé... il est sur son 36, il est habillé comme s'il s'en va à messe le dimanche, le lundi. Un joueur d'hockey. incroyable. La prestance, une générosité. Il prend le temps de te regarder dans les yeux, il prend le temps de t'écouter. Puis, il est à la bonne place au bon moment. Puis, je suis bien content pour lui aussi. Belle famille en passant, les Rhodes. Beaucoup oui, de respect. Le prochain, Chris Jericho. Chris Jericho, un peu la même chose, un grand parcours, beaucoup de respect pour Chris. Il n'a pas eu besoin de se réinventer souvent. C'est toujours le même bon vieux Chris Jericho qui réapparaît au travers de tous ses personnages ou ses gimmicks, si tu veux, qu'il soit du côté des bons, du côté des méchants. Chris Jericho, c'est Chris Jericho, puis il n'y en aura pas deux comme lui. D'après moi, c'est une des grosses légendes de notre époque. Le dernier, mais non le moindre, Jean-François Leduc, toi-même. Jean-François Leduc. Yes. petit gars de Montréal qui voulait juste faire de la lutte. Puis, tu sais, slammer quelqu'un dans un ring, puis se faire slammer, puis s'envoyer dans les cordes, c'est juste ça que je voulais vivre. Vivre ce feeling-là du petit gars qui regarde la lutte, puis qui fait comme « Wow, c'est dur, c'est une trampoline, comment ça marche? » Puis le lendemain, là, avoir tellement des marques dans le dos de pas être capable de marcher pendant 3 jours, c'est vraiment pas vrai. Une trampoline. C'est de l'acier, du plywood. Puis il y a beau avoir un choc dans le milieu qui fait comme une genre de suspension. Non, tout fait mal. Puis, très physique. La lutte, c'est pas arrangé. Parce que non, c'est non. Arrangé, ben, qui me le disent parce que. Non, j'ai mangé des bonnes volées. mais tu sais, c'est ça, quand tu es du bon côté de la foule, tu manges des bonnes volées, tu fais pitié, puis tu te relèves à la fin, puis c'est là que tu gagnes. Fait que Jean-François Leduc, c'est un peu ça, sa vie, manger des bonnes volées toute sa vie, mais il s'est toujours relevé, puis il est toujours là, puis il continue de marcher. Puis crée-moi qu'il se tiendra. Pour conclure, comme à l'habitude, mon partner Nastradamus, va essayer de prédire une autre inondation. non, je ne sais pas. Si tu le souhaites. Ben là,
Je suis en train de faire des rénovations, une nouvelle pompe. Tout va être correct. Fait que, let's go. Inondez-moi, je vais voir si ça marche. Une nouvelle vadrouille. Ah, sérieux, merci bien gros, Jeff, pour l'entrevue. Ça a été un honneur de te connaître davantage. Bon, on se connaissait quand même un peu. Ben, je prédis qu'on va se voir le 18 octobre. Mais non, vers mais. Vers quelle heure? Une bonne partie de la journée. Non, sérieux, je prédis que l'événement qu'on va faire, nos deux projets ensemble, le WWE et Wrestle Rock Podcast, avec Adam Bomb, ça va être un succès. C'est ça, la prédiction. Ah, ben, regarde. Toutes tes prédictions à date ont été véridiques. Fait que j'essaie de boire présentement, puis faire des clins d'œil, des coups de coude, puis essayer que oui, ça soit un succès. On met beaucoup d'efforts pour que ça le soit. Puis je pense qu'on a un beau produit, on a des beaux cadeaux. Le prix est excellent. Puis on n'est pas à notre premier rendez-vous, comme on dit. C'est pas le premier barbecue, comme on dit. C'est ça. Mais c'est un rendez-vous. Yes! Mais n'oubliez pas, chers amis, le 18 octobre au Bullseye de Montréal, l'événement de la ALWA Live Wrestling Unctions en collaboration, bien évidemment, avec nous. L'événement, Adam Bomb, Brian Clark sera présent. Donc, les billets sont en vente sur Eventbrite. Mais vous pouvez aussi rejoindre notre ami Jean-François Leduc et Live Wrestling Unction sur leur page Facebook pour acheter vos billets. Donc, n'hésitez pas ça défait à nous encourager en grand nombre. Merci beaucoup, Jean-François, pour ton temps. C'était un plaisir de pouvoir parler de l'événement, mais aussi de parler du petit Jean-François Leduc. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de te jaser, mon Jeff. Merci à vous autres. On va se voir le 18 avec yes. Joe, avec tout le monde. Puis Brian Clark, il est très hâte d'être là. Il est très, très fébrile de revenir à Montréal. Super. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu à Montréal. Là. Ça fait 20 ans, là, minimum. Ouais. Là. Ça va être vraiment hot. Une exclusivité LWA. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous autres.